soundtrack. Ah, quelle bonne musique. The Matrix, yeah. Good evening. Bonsoir. Thanks. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ah ouais. First of all, I'd like to thank the Festival du Cinéma Américain de Deauville for this tribute and retrospective. I'd like to thank Lionel Chouchon, merci for your words. Thank you. I'd like to thank Bruno Bard, Jérôme Lassière and his team, Philippe Augier, and I'd also like to recognize the founders of the festival, André Halimi and Lucien Barrière and Michel Donagnon. Without them, without their imagination, and without their energy, we would not be here. Donc déjà un grand hommage, un grand merci pour cet hommage à tous les gens, toute l'équipe du festival, Bruno Bard, Jérôme Lasserre, Monsieur le maire Philippe Augier. Aussi, il a une pensée pour Lionel Chouchon ainsi que André Halimi, les fondateurs du festival avec Michel Dornano et Lucienne Barrière. Sans eux, sans leur créativité et leur énergie qui en nous dit, on ne sera pas là aujourd'hui. So, I had my first acting job when I was 17 years old, and my first line was, "Hey lady, where's the bathroom?" J'ai eu mon tout premier boulot en tant qu'acteur quand j'avais 17 ans, et ma toute première réplique était, "Hey, madame, c'est où la salle de bain ou les toilettes?" I was playing a troubled youth in a local TV show in Toronto who had trouble with authority. J'ai joué en fait un ado un peu troublé à Toronto dans une série télévisée qui avait quelques soucis avec l'autorité. This has been a motif throughout my career, personally and professionally. C'est un thème qui m'a suivi toute ma carrière personnellement et professionnellement. But I loved movies. And I looked at movies as a kid like a kid would look at a fireman or a policeman or a race car driver or an astronaut. Mais j'ai adoré les films, et j'ai regardé les films en tant qu'enfant, comme d'autres enfants regardaient les pompiers, les astronautes, les policiers. I want to do that. Moi, je veux faire ça. So I asked my mother at 15 years old if I could be an actor. Donc à 15 ans, j'ai dit à ma maman, est-ce que je peux devenir acteur? And she said, of course, son, you can do whatever you like. Bien sûr, mon fils, elle m'a dit, tu fais ce que tu veux. Merci, maman. So I started studying. So I was taking classes. I was very young, very motivated. I was doing Uta Hagen's Respect for Acting, Stanislavski Method. I was working with Second City Improvisation. Voilà. Donc j'ai commencé à travailler. J'ai pris beaucoup de cours, beaucoup de classes. J'ai étudié avec Uta Hagen. J'ai fait les méthodes de Stanislavski. Même j'ai fait des cours d'improvisation avec Second City au Canada. I got kicked out of my first. I got kicked out of a performing arts high school after my first year. J'étais dans une lycée en fait pour les arts, mais ils m'ont viré au bout d'un an. Not for bad acting, but trouble with authority. Voilà, pas parce que j'étais mauvais en tant qu'acteur, mais parce que j'avais des problèmes avec l'autorité. But I got my first agent by playing Mercutio in Romeo and Juliet at a Jewish community center. Mais j'ai eu mon premier agent en jouant le rôle de Mercutio dans Roméo et Juliette dans un centre pour les jeunes juifs. And I started to do some commercials. I sold some cornflakes. I sold some Coca-Cola. J'ai fait des pubs. Voilà, j'ai vendu du Coca. J'ai vendu des céréales. And I did a couple of films. But like so many before me, I had the dream of wanting to act in Hollywood. Voilà. Mais comme beaucoup, beaucoup de jeunes avant moi, j'avais un rêve encore plus grand que ça, c'était aller jouer à Hollywood. And so, like so many before me, I went there. And at 20 years old, I got in my car and I drove to Hollywood. Voilà, donc comme beaucoup avant moi, je suis allée à 20 ans, je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à Hollywood. And like so many before me, the first thing that happened when I got to Hollywood was they wanted to change my name. Et comme beaucoup avant moi, la première chose qu'ils voulaient faire dès que je suis arrivé à Hollywood, c'est qu'ils voulaient changer mon nom. I said, what's wrong with Keanu Reeves?
They were like, the Keanu, it's kind of something. And I'm like, je disais, c'est où le problème avec Keanu Reeves, en fait? Et ils m'ont dit, Keanu, c'est un peu... Something what? Voilà, quelque chose quoi, je disais. We don't know, but we just want you to change your name. Voilà. On ne sait pas, on veut juste que vous changez votre nom. So I thought, how about Chuck Spadina? Donc je me suis dit, et si on faisait Chuck Spadina? Spadina. Spadina. Or John Templeton the Third. John Templeton the Troisième. Oui. They said, no, we think K.C. Reeves. Ah. Ils m'ont dit, non, 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 pourquoi pas K.C. Reeves? Keanu Charles Reeves Casey. I was Casey. So I had a little problem with authority. Comme je vous disais, j'ai un petit problème avec l'autorité. But I was young and I was in Hollywood, and so my first headshot said K.C. Reeves. Mais j'étais jeune, j'étais à Hollywood, donc mon toute première photo professionnelle disait K.C. Reeves. And a year of rejection followed. Et une année complète de réjection m'a suivi. It didn't help. Ça n'a pas aidé. So I became Keanu Reeves. Donc je suis redevenu Keanu Reeves. And my second headshot said Keanu Reeves. Voilà, et moi, ma deuxième photo professionnelle là, ça disait Keanu Reeves. My first job in Hollywood was a TV movie, a network television film called Under the Influence. Mon tout premier job à Hollywood était un téléfilm à Hollywood qui s'appelait Sous l'influence. I played the alcoholic son of Andy Griffith. Ah, j'ai joué le fils alcoolique de Andy Griffith. Which was fantastic. C'était incroyable. Andy Griffith told me one day in the truck that Don Knotts had a very long schlong. Bon, il faut comprendre, Andy Griffith, en fait, c'est un acteur d'une grande... I'm explaining who Andy Griffith is. Un grand acteur d'une série télévisée aux États-Unis qui jouait avec un comique qui s'appelait Don Knotts, qui était très drôle. Et la première chose qu'Andy Griffith a dit à Keanu, c'est que Don Knotts avait une partie de son anatomie qui était très longue. But he was very supportive and he was a cool cat. Mais il était très sympathique et je le trouvais très chouette. After that followed a lot of rejection. Ensuite, beaucoup de rejection. And some of the films that I did not appear in were Ferris Bueller's Day Off. Certains films dont j'ai loupé des rôles étaient Le Folle Journée de Ferris Bueller. Less than zero. Voilà, less than zero. But I had an audition and I did get a film called River's Edge. Mais j'ai fait un casting et j'ai pu trouver un rôle dans un film qui s'appelait River's Edge. It was my first feature in Hollywood. It was directed by Tim Hunter, written by Neil Jimenez, and was shot by Frederick Elms, who had just finished Blue Velvet. Voilà. C'était en fait réalisé par Tim Hunter et c'était fait la cinématographie. Who was the cameraman? Frederick Elms. Frederick Elms qui a fait Blue Velvet. And it was starring Crispin Glover and the remarkable Dennis Hopper. Voilà. Il y avait Dennis Hopper et Crispin Glover. It was a great opportunity and a great film, and it launched my career. C'était une super opportunité, une bonne film, et c'est grâce à ça que j'ai pu démarrer ma carrière. And 30 years later, here I stand. Et 30 ans plus tard, me voici. When I oh, merci. Merci. When I consider a retrospective, and when I watched the clip, I remember some of the great artists there that I met, River Phoenix, and we lost. But I'm reminded of all of these years of great stories and great filmmakers and great people that I had the chance to work with. Quand je regardais tout à l'heure la rétrospective que vous avez fait, tous les films, c'est vrai, ça évoque beaucoup de souvenirs des gens qu'on a perdus, entre autres, comme River Phoenix. Mais c'est vrai que j'ai pu avoir la chance de travailler avec beaucoup de gens, avec beaucoup de talents. And this 51-year-old man feels very lucky to have been able so far to live the dream and hope of that 15-year-old boy. Et cet homme de 50 ans devant vous aujourd'hui se sent très chanceux d'avoir pu vivre le rêve de ce gamin de 15 ans. And it's with great pleasure and really fantastic to be joined here tonight by the director and writer Eli Roth, my co-star Lorenza Izzo, the producers Colleen Camp and Tim DeGray, for the film Knock Knock, which is having its world premiere
here at the festival tomorrow night. Qui a nous dit un grand merci à Eli Roth et toute l'équipe de Knock Knock, son nouveau film que vous allez pouvoir découvrir ici demain à 17h pour sa première mondiale. So again, all of my thanks and appreciation to you and to the festival. Bon festival, hein? Voilà. Un grand merci à vous tous. Keanu Reeves, justement, que vous allez pouvoir découvrir dans Knock Knock demain à 17h pour son avant-première mondiale. You wanna disappear in a crowd, just a stranger. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Keanu Reeves!